Halloween c'est pour bientôt. Et on n'en a pas fini avec les costumes et make-up d'horreur. Comme vous avez pu le constater sur les réseaux sociaux les années précédentes, vos stars préférées n'ont pas manqué d'ingéniosité pour obtenir la palme du plus beau déguisement d'Halloween. C'est bien connu, les Américains font toujours tout en grand et ils ont remporté l'épreuve haut la main sur les Français. A commencer par Demi Lovato qui, dans son costume de policière sexy en 2018, la chanteuse n'était pas très inventive, certes, mais ultra sexy et culottée. En effet, elle s'était rendue dans une station de service pour y faire des achats avec son costume et son fessier ultra moulant dans un collant résillé. Un string. C'est ainsi qu'elle s'est déhanchée devant vendeurs et des passants. Chez les autres, on retrouve également quelques perles comme le déguisement de Lady Clom. Un sans faute comme tous les ans. L'ancien mannequin organise une grande fête d'Halloween chaque année où elle convie pas mal de stars internationales. Et au fil des ans, ses costumes sont de plus en plus pointus et la jeune mariée est toujours méconnaissable. Et c'est bluffant. Mais hormis nos amis les péoples, il y a quelques femmes enceintes qui ont osé des costumes assez trash et qui n'ont pas hésité à les partager sur la toile. On a ainsi assisté l'année dernière à un bain de sang qui donnait des sueurs froides. Reste à savoir si les célébrités qui sont enceintes cette année joueront elles aussi le jeu. A commencer par la chérie de Matt Pokora, actuellement en France pour accompagner son chéri sur sa tournée. Elle qui est très attachée aux traditions de son pays, risque de dégainer un déguisement à la hauteur de nos attentes. Statunet. En attendant le jour J, découvrez les déguisements des stars des années précédentes et profitez-en pour vous en inspirer si vous n'avez pas encore d'idée de costume.